Bonjourné. It is a great pleasure to be at the MSS RDC, or DRC in English. It is a pleasure to see so many fantastic security professionals. This is part of our MSS World Tour, and we are delighted to be having a French language session for today. We are delighted to be joined by Mark Folmer, President of RAD out of Canada. We are very pleased to be in the Democratic Republic of Congo, or RDC. We have quite an action-packed agenda today in French, quite a number of people coming throughout our sessions. Mark, what are we going to be talking about today? Great intro, Pelham. Happy to be here. Thank you. Today we're talking MSS, obviously, Managed Security Services is what we're doing. We've got a strategic maybe a portion of the panel to get us going, and then we're going to roll into the technical, a little bit more technical functions that we experience day to day. So, looking forward to it. Fantastic. Well, I will remain here in the background, and I will bring our panelists up for the first session, and then we can begin in French. Let me just make sure that I bring them up. We are very pleased to welcome Achille Saye, IT and Executive Project Manager, Sub-Saharan Africa, MGI, RDC. John Ekofaluma, Regional Security Coordinator, IBTCI. Isaac Luangana, IT Network Superintendent, Komoto Copper Company, and very shortly, Tarek Halloun, IT Manager at Socimex. I will leave you in Mark's capable hands, but please do start your video and we will begin. Merci, Pelham. C'est très apprécié. Bonjour, tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mais je propose qu'on commence avec une petite présentation, une petite introduction des panélistes. Peut-être, si ça ne vous dérange pas, Achille, ça y est, peut-être vous présenter, nous parler un petit peu de votre organisation et votre rôle et votre focus sur le quotidien. OK, Marc, merci pour la parole. Je salue le reste des personnes qui nous suivent. Je suis Achille Saye. Je suis en charge project manager de Multimedia Group International, qui est une organisation en Afrique qui appartient au holding de MGI Suisse. Nous travaillons beaucoup plus dans l'intégration et de la lutte contre la fraude et puis la maximisation du côté PTNTIC. Beaucoup plus en Afrique, on est dans la lutte qu'on connaît souvent qui est le SIM-boxing. On travaille dans le refailing pour voir comment maximiser les recettes des opérateurs et des tax officers dans les pays où nous sommes. Donc, beaucoup plus, nous sommes dans le core business des téléphonies, dont on excelle beaucoup dans différents domaines, contre la fraude, les intégrations pour voir le billing, des déclarations, du process des RAM. Et on accompagne aussi les télécoms dans leur projet d'extension, de maximiser leurs recettes, de la lutte contre la fraude avec les télécoms et en partenariat avec leur autorité de régulation qui régule le secteur du secteur des télécoms. MGI en Afrique, on est sur 38 pays africains. Et nous sommes aussi en Asie et en Europe. Et moi, dans le secteur, j'ai 12 ans d'expérience en matière informatique, nouvelle technologie de l'information, sécurité informatique et des services gérés aussi parce qu'on supporte des opérateurs, on supporte des tiers. Et dans mes anciens emplois, j'étais dans les services de support, CISO et consorts. Bon. Marc, je te remets la parole pour ne pas monopoliser ton carrière. Merci, Achille. Je pense que votre perspective aujourd'hui va être très intéressante. Isaac, à votre tour, un petit peu sur vous, votre organisation, votre rôle, votre focus sur le quotidien. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, moi, je travaille
Je travaille pour Glencore, donc dans une de ses opérations en RDC qui s'appelle KCC, Katanga Copper Company, où je suis en charge du réseau informatique. Alors, pour ce qui est réseau informatique dans la logique de Glencore telle que nous la faisons, c'est assez vaste. Il y a plusieurs équipes qui contribuent à l'aspect sécuritaire au sein de Katanga Copper Company. Alors, moi, je m'occupe aussi de la sécurité du point de vue firewalling, network access sur le réseau et aussi être compliant aux différentes recommandations, aux policies de l'entreprise, d'un point de vue réseau et d'un point de vue interconnexion entre les différents sites de Glencore, parce que c'est un grand réseau global. Glencore est sur plusieurs opérations dans plusieurs pays, mais est en train d'interconnecter toutes ces opérations pour faire partie d'un seul et même réseau global avec les mêmes policies, les mêmes stratégies et tout ce qui est VPN, firewalling, network access control. Je m'occupe un peu de ça d'un point de vue sécuritaire. Voilà, c'est ça que j'ai fait pour Glencore cette dernière décennie. Donc, j'ai passé d'abord 8 ans à Mutanda Mining, qui est une autre des opérations de Glencore. Toujours basé à Kolwezi, dans l'ancien Katanga. Et actuellement, ces 2 dernières années, chez KCC, qui fait toujours partie de Glencore. Voilà. Excellent, merci. Merci, Isaac. C'est intéressant. Puis je pense que tout l'aspect de sécurité est global. Je pense que ça va rentrer dans notre discussion ce matin. Et si les policies, si les politiques s'appliquent à travers les différentes unités d'affaires. John, est-ce que vous avez Exactement. réussi à... Are you on mute, Mark? Sorry. I was on mute and I was. Je demandais à John s'il avait accès à son micro. John, je ne sais pas si vous êtes capable de nous entendre et de nous partager un petit peu qui vous êtes, votre organisation, etc. Oui. Ah, Voilà, oui, bon. John. Bonjour. Bonjour, comme mon nom l'indique, je suis John. Kofaluama, sécurité régionale au sein d'un projet de l'USAID ici en RDC. Régional parce que nous sommes basés à Kinshasa, mais nous travaillons aussi dans des sous-bureaux de province, notamment Nord Kivu. Ensuite, Kivu, Lubumbashi et les deux Kasaï. En fait, nous appuyons les activités de l'USAID au niveau du pays sur le plan de renforcement de la bonne gouvernance, des élections et aussi. Il y a des branches de l'éducation et de la santé. Et moi, personnellement, je suis du côté de la sécurité pour faciliter les bonnes opérations de ces activités à la capitale comme dans les sous-bureaux des provinces, en évaluant, bien sûr, les menaces et les risques, mettre en place aussi des mesures appropriées pour permettre à ce que les opérations de l'USAID se déroulent normalement et en minimisant tous les risques possibles. Bref. Je crois que ça l'a coupé.
Je ne sais pas si c'est juste moi, John, mais je crois que la connexion est coupée. Et Isaac, est-ce que vous entendez bien John ou c'est juste de mon côté? Non, 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 j'entends bien Marc, mais je crois que John doit avoir des problèmes de connexion de son côté. OK, ouais, je crois qu'il a des problèmes de connexion. John, nous allons Dans continuer. mon rôle au sein de ces projets dits business, Hello? Oui, je pense qu'on vous a Allô? retrouvé. John, on vous a retrouvé, on vous avait perdu, mais je pense qu'on va nous allons continuer avec la première question pour le panel. C'est très intéressant, votre background, votre bagage. On parle de différents standards, de différentes politiques et d'appliquer ça. On parle aussi, John nous a mentionné menaces et risques spécifiques à son quotidien. J'ai une question, peut-être on va commencer avec Achille. Achille, en tant que la personne qui tient le rôle le plus senior dans l'organisation par rapport à la sécurité, en anglais, on dirait le Chief Security Officer, mais ou peut-être le CISO, le Chief Information Security Officer, un ou l'autre. Mais comment vous décrivrez cette personne-là au DRC ou RDC, excuse-moi, en français? OK, Marc, merci pour la question. Comme tu l'as dit, dans les grandes organisations aujourd'hui, ce sont les CISO ou les CSO qui détiennent aujourd'hui le rôle de Security Officer en première ligne. Comment je vais les décrire en RDC? En vogue en première ligne, il y a peu d'institutions aujourd'hui en RDC qui ont mis en place ces chartes-là, avoir un CISO ou un SO. C'est dans les 5 dernières années qu'on a vu qu'il y ait vraiment ce rôle-là distinct en RDC entre professionnels IT et professionnels de sécurité. Cela, dans les années passées, était vraiment confondu entre un IT de fonction et qui avait chaque jour dans ses duties une tâche informatique à exécuter. Aujourd'hui, ce qu'on voit de ces postes-là en RDC, c'est vraiment maintenant mis en application. On sait voir une séparation distincte entre les professionnels IT et CISO aujourd'hui. Et en vogue, pour moi, un CSO ou un CISO est une personne qui doit travailler en étroite collaboration avec les CTO, avec les CEO et avec le risque, parce qu'il est la personne qui doit décrire et écrire les risques. Et dans d'autres institutions, vous verrez des CISO et des CISO qui sont même dans le human capital, dans le human resources, qui travaillent ensemble pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui des mail trades, pour faire des awareness. Okay. Et aujourd'hui, en RDC, je dirais que ce métier, ce travail est en vogue parce que RDC est resté beaucoup plus dormant en matière de sécurité informatique. C'est avec aujourd'hui le boom des télécoms et des banques dont nous voyons aujourd'hui que la RDC donne l'opportunité et les risques en termes de sécurité informatique et de l'information elle-même, data process. Donc, en vogue, c'est ce que je vois aujourd'hui en RDC, le métier et les ciseaux aujourd'hui en RDC. Je ne sais pas Merci. si Marc, j'ai Ben, répondu à ta question. oui, vous avez très, très bien répondu. Et j'ajoute à ça le commentaire qui vient de rentrer. Puis si je comprends bien, puis je vais poser la question à Isaac. Est-ce qu'il y a eu une évolution dernièrement? Je vois un commentaire dans le chat ici que ce n'est pas nécessairement très courant, mais ça semble devenir de plus en plus courant. So, Isaac, est-ce que vous avez vu une évolution de ce rôle-là, CSO? CISO, vraiment la personne la plus senior dans l'organisation au niveau de la sécurité. Oui, effectivement, il y a eu des grands progrès récemment, avec surtout en première ligne, je dirais, comme Achille le disait tout à l'heure, la venue des télécoms avec leur concurrence, les banques, il y a de plus en plus de banques avec toute la concurrence, et puis
Ils doivent se conformer à des standards qui sont internationaux. Ce ne sont pas des standards qui sont dictés par le pays, généralement. Ce sont des politiques qui sont assez globales. Et aussi, le secteur dans lequel je suis, dans les mines, par exemple, avec des grands groupes comme Glencore ou comme MMG et tous les autres qui tiennent des grandes opérations minières. Quand on échange, donc on comprend que c'est la même logique, par exemple, où il y a un aspect très, très particulier maintenant sur la sécurité des systèmes d'information. Et parfois, c'est vu de manière globale. Il y a, au niveau du business, ceux qui s'occupent des risques globalement, donc avant d'arriver à des risques spécifiques qui sont des risques liés au système d'information ou aux technologies de l'information, de la communication qu'on utilise. Donc, il y a vraiment des très, très grands progrès ces dernières années, parce que quand je compare, il y a 10 ans, par exemple, les opérations étaient assez autonomes. Par exemple, je prends le cas pour Glencore, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir Mutanda Mining qui utilise une certaine plateforme qui a sa politique de sécurité, qui a ses business continuity plan, ils ont une politique propre à eux. Une autre entité du même groupe a aussi la sienne. Bon, c'était un peu disparate là, mais quand je regarde où on en est aujourd'hui, vous sentez qu'au sein du groupe, il y a des standards qui sont définis, des policies qui sont définies, et tout le monde doit se conformer à ça. Donc, ça oblige, de la même façon que je m'occupe un peu de l'aspect sécuritaire pour telle opération ici en RDC, c'est de la même façon que ça se fait dans l'opération de Glencore au Canada ou en Amérique latine. Et les critères d'évaluation étant les mêmes, si par exemple il y a des patchings qui ne sont pas faits sur certains serveurs, je vais être flagged, okay? Je vais être marqué, et il y a une league table où on présente par exemple les 30 mauvais sites. Okay? Chaque opération Glencore, c'est un ou deux ou trois sites. On va me lister parmi les 30 mauvaises opérations d'un point de vue informatique, et on va mentionner par exemple quels sont les aspects où j'ai échoué, où le site n'a pas été conforme, n'a pas été compliant. Vous êtes obligé d'y remédier pour vous conformer et quitter cette liste des 30 mauvais sites, par exemple. Donc, ça force à ce que nous soyons conformes, nous nous conformions, et donc, ça nous pousse à évoluer d'une certaine façon de faire à une façon beaucoup plus standard au sein du groupe. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions cette dernière décennie dans ce sens-là. Super, merci Zach, très, très intéressant. Et dans la deuxième partie du panel aujourd'hui, on va parler des choses un petit peu plus techniques, puis peut-être on va rentrer un peu dans la discussion des difficultés reliées à appliquer ces standards globaux, peut-être RDC. John, je ne sais pas si vous avez toujours une bonne connexion, mais on se rasseye. Vous avez mentionné dans votre introduction, votre présentation, l'environnement de la menace. La menace, elle est comment, etc. Est-ce que vous considérez que la menace, elle est différente, John, on va commencer avec vous, en RDC? Oui, alors, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Bon, en fait, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. La sécurité est standard. Ce qui change, c'est les contextes et aussi les menaces dans chaque environnement. Les menaces, par exemple, ici, en RDC, c'est 2 345 000 km². Et chaque coin, peut-être à les types de menaces qu'il faut évaluer, faire le threat assessment et aussi mettre en place des mesures nécessaires pour mitiger les risques d'être affectés. En fait, la menace est là et ça dépend de l'environnement, comme je le disais, du contexte. Par exemple,
dans la saison que nous sommes ici maintenant en RDC, ce qui se passe est un peu plus menaçant ici, au niveau des conflits armés. Et vous verrez que dans ces conflits armés, ça cible un certain coin qui n'est pas la même menace que dans d'autres coins. Alors, ce qui se passe, c'est, par exemple, je vais me focaliser sur l'Est, là où il y a les conflits armés. On travaille sur ça à notre niveau, bien que la sécurité standard, mais nous essayons de contextualiser la situation. Nous voyons que le risque résiduel est là, où on peut à tout moment être affecté par ces conflits armés, surtout dans des milieux ruraux des zones de l'Est. Alors, on met des mesures nécessaires pour essayer de mitiguer, par exemple, faire les transferts des risques. Et la situation évolue, comme vous le savez, la sécurité dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez penser que ça évolue bien. En un clin d'œil, demain matin, la situation change. Et nous sommes flexibles, nous sommes prêts, dynamiques aussi, à nous adapter à tout ce qui nous arrive. Voilà un peu ce qui se passe. Au cas où peut-être, comme nous avons l'habitude d'enregistrer ici des cas des épidémies qui nous arrivent, ce sont des trucs qu'on ne contrôle pas, ce sont des choses qui sont hors de notre volonté. Mais il y a des dispositions déjà mises en place. Ça, c'est des dispositions globales, comment qu'on combattre peut-être ou minimiser les risques d'être affecté par une quelconque épidémie. Mais dans tout cela, dans les secteurs où moi j'évolue, nous évoluons très bien. On a des très bonnes cotes par rapport à notre façon de gérer ce genre de menaces côté sécurité. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il y a des côtés où il y a les calmes, il n'y a pas de conflits armés, mais il y a l'épidémie, par exemple, d'Ebola, comme dernièrement en Bandaka à l'Équateur, qui est à peu près à 2000 et quelques kilomètres de l'Est. Mm. Alors là, c'est aussi un autre cas. Et nous les gérons aussi selon son contexte, comment gérer par rapport à ce qui se passe à l'Est. En fait, nous évoluons, nous voyons des paramètres, des vecteurs de ces menaces. Et comme nous approchons aussi l'année 2023, chez nous ici, ce qui sera une année un peu tendue parce qu'il y aura des élections. Déjà, on commence à sentir des fièvres, des tensions. Il y a des mouvements des marches maintenant qui seront très, très élevés et des marches qui ont tendance à être trop violentes dans des jours à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons nous adapter aussi à cela. Bien entendu qu'il y a déjà des dispositions. Nous adaptons beaucoup plus au contexte et suivant l'évolution de la menace qui se présente sur dans notre environnement. Oui, puis vous avez dit le mot, hein, John, c'est de s'adapter. Évidemment, la menace, elle évolue, elle change. Achille, oui. point de vue plus peut-être technique versus physique, l'état de la menace ou le landscape, si je peux me permettre l'anglicisme, mais est-ce que vous voyez ça d'une façon spécifique? Allô, merci Marc pour la question. Le landscape, je le vois aujourd'hui vraiment d'une manière globale parce que ce qui reste vraiment en premier, c'est l'information, c'est ce qui est recherché premièrement. Premièrement, c'est l'information. Donc, particulièrement, ce serait d'un domaine ou d'un secteur à un autre secteur. Mais en global, la menace reste vraiment de l'information. C'est avoir l'information et s'en servir pour d'autres fins. C'est ça aujourd'hui la menace qui plane en RDC. Il y en a eu, on a pu travailler sur certains. Et dans notre secteur, je dirais la menace de la fraude. C'est de l'information juste pour voir. Et pour processer à une fraude ou processer à la vente d'informations ou à l'utilisation de l'information des tiers de manière frauduleuse. C'est ça, ou à la compétence pour jouir ou bénéficier à la compétence. Donc, de manière particulière, c'est d'un secteur à un autre.
mais de manière globale, elle est là parce que ce qui est recherché en premier, c'est l'information, c'est la faille, comment avoir cette information, dont une proactivité est vraiment nécessaire pour arrêter tout ce qui pourrait faire un leak d'information ou bien amener un système dans un downtime ou d'une activité à cause d'un breach du système. Excellent. Merci, Achille. Écoutez, il nous reste environ 3-4 minutes. Ça a passé extrêmement vite, notre demi-heure ensemble. So, peut-être en guise de questions finales, si vous voulez nous partager un peu votre expérience, vos idées en lien avec c'est quoi l'équilibre entre les connaissances techniques et vraiment les connaissances de gestion, de management. Comment est-ce qu'on peut, comme professionnel dans le domaine, atteindre ça selon vous? Puis en même temps, peut-être un petit commentaire sur comment expliquer ça à nos organisations, parce que des fois, il faut vendre à l'interne l'idée de la sécurité. So, Isaac, on commence avec vous. En sommaire, là, un peu, c'est quoi l'équilibre entre le côté technique et le côté business et comment vendre ça un peu à l'interne? OK, là, ça dépend aussi, ça dépend de la maturité aussi d'un business à un autre. Donc, je dirais que, par exemple, dans mon secteur ou dans les entreprises dans lesquelles moi j'ai travaillé, il faut dire que c'est quand même le top management ou le high management, toute l'équipe managériale est assez informée quand même, est assez informée. Je dirais qu'ils bénéficient aussi de ces politiques qui sont globales au sein du groupe. Du coup, vous avez, il n'est pas très difficile de faire appliquer des policies sécuritaires. Donc, le management semble être au courant, semble être conscient, mais parfois, nous devons toujours essayer de trouver un langage adapté pour leur faire voir les risques que l'entreprise ou que le business ou que l'opération est en train de courir, le risque qui peut arriver d'un point de vue du fait de l'usage des technologies dans les opérations. Je prends un exemple, s'il y a fuite de données, par exemple, il y a vol de données, les conséquences que cela peut avoir sur la concurrence, sur la réputation et tout, ce sont des choses que le top management comprend facilement. Ou encore, si à cause d'une attaque informatique ou à cause d'une faille sécuritaire quelconque, une partie de l'usine devient non opérationnelle ou bien les conséquences, vous voyez, aujourd'hui avec tout ce qui est operational technology que nous mettons dans le business comme dans les mines où nous sommes, où tout utilise les services informatiques, que ce soit à la mine, que ce soit des équipements par exemple pour la sécurité du personnel, safety and security. Tout ça utilise des technologies de l'information. Alors, quand le top management est prêt à payer, par exemple, un équipement qui vous coûte 1 million de dollars pour faire le monitoring de la mine, pour analyser, par exemple, l'activité sismique à 500 mètres dans les sous-sols où travaillent des gens, vous voyez, l'aspect sécuritaire est très vital. Ils comprennent qu'ils achètent du matériel qui coûte des millions de dollars pour la sécurité du personnel, par exemple. Alors, ça doit fonctionner, ça doit bien fonctionner, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un incident. Et puis, voilà, vos systèmes n'ont pas fonctionné correctement et tout. Alors, le business est très conscient de ça et ça devient facile à nous, de leur faire comprendre que, voilà, nous devons être à jour en termes de ceci, nous devons faire le patching, nous devons remédier à tel problème. Nous devons mettre à jour nos pare-feux, nous devons changer notre modèle, notre topologie sécuritaire. C'est quand même relativement facile dans des grandes structures comme où nous sommes pour arriver à convertir, à faire comprendre le côté technique par rapport à son impact dans le business. Oui, c'est très intéressant.
C'est très important aussi, évidemment, de faire ces liens-là. Merci, Isaac. John, il nous reste qu'une minute. On est très proche de la fin. Peut-être un petit commentaire plus sur le côté sécurité physique. Comment faire cet équilibre-là entre les connaissances de sécurité et les connaissances de gestion ou de management? Une grande question, mais peut-être en guise de conclusion pour fermer le panel. OK. En fait, comme vous l'avez dit, c'est une grande question qu'on ne peut pas suffisamment répondre en quelques 60 minutes. Mais c'est l'élément, nous, comme on l'a dit au départ, on ne fabrique rien. Nous avons des dispositions que nous travaillons en cas de paix, comme en cas de crise. Je vais prendre l'exemple des cas de crise. On a déjà des business continuity plans qui sont disponibles, mais on essaye chaque fois de revoir, chaque fois de faire des exercices de drills avec les staff. Donc, depuis le top, je vais dire depuis l'hiérarchie de la sécurité jusqu'au dernier staff, tout le monde est au courant et connaît les modes opératoires au cas où. Et nous fonctionnons aussi dans les comptes de la sécurité physique aussi avec un réseau de sécurité fiable et efficace comme nous sommes chez Kinshasa. Nous travaillons avec des réseaux très sérieux au SAC, Kivu, Tracker System. Nous travaillons avec INSO, nous travaillons avec des services de sécurité locaux et internationaux. Ce qui fait qu'il y a vraiment des dispositions préventives de sécurité que c'est difficile qu'une menace nous surprenne, surtout que nous les contrôlons, nous les monitorons d'une façon régulière pour voir l'évolution, les niveaux de risques qu'on sort. Donc, ce qui fait que jusque-là, nous enregistrons toujours des succès en termes de sécurité des personnes et des biens, même des opérations au niveau du DISA et des secteurs que j'évolue. Et je pense que c'est comme ça que nous évoluerons pour les jours à venir. Oui, merci John. Pelham, I mean, that brings us to 9:33. We went over a little bit, a couple of minutes. And I wanted to, je tenais à remercier les panélistes pour votre participation aujourd'hui, très intéressant, un bon début, un bon départ et de l'information très pertinente à partager. Merci beaucoup. Thank you very much, Isaac, Achille, John, and of course, Mark. Give you a big virtual round of applause in the audience, and I will put you back in the audience for our next session. Okay, thank you. Thank you. Wonderful. Yes, great, great debate, and keep the comments coming. Thank you, Liam, for the comments and the questions. Now, we're going to be moving the debate from strategic to the technical specialist of tomorrow. So I am going to invite two panelists to join us, and I will tell you their names when I have launched them. We are very pleased to welcome Kevin Chibandana, IT manager at Group Vivendi Africa. And we're very pleased to welcome John Chimini, Technologies and Information Security Consultant. Possibly soon we will have Pascal Godfrey, but at the moment that's what we are welcoming. It's a pleasure to have them on. Please start your cameras and the floor is yours, Mark. Thank you, Pelham. Appreciate it. John, enchanté. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et Kevin, même chose. Content de vous rencontrer sur ce panel. On continue, on commence à aborder certains points techniques. Il y a des questions, des commentaires dans le chat qui sont techniques, qui sont intéressantes. Similaire à la première session, peut-être commencer par vous présenter, nous parler un peu de vous, votre organisation, deux minutes de présentation. On commence avec John. John à ma gauche et Kevin à ma droite.
Bonjour à tout le monde, bonjour à l'audience qui nous suit. Et moi, comme ça a été introduit, c'est John Chimini. Je suis consultant en technologie et en sécurité de l'information et avec près de 25 ans d'expérience. Dans les 25 ans, il y a pratiquement 15 ans que j'évolue dans la sécurité de l'information. Alors, pour l'instant, je travaille comme consultant indépendant dans des projets, les projets comme du secteur gouvernemental, comme dans des privés. Et ces projets, ce sont des projets informatiques, bien sûr, et des projets au niveau de la sécurité de l'information également. Donc, nous accompagnons des organisations locales et que de temps en temps, je suis sollicité par des partenaires avec qui je travaille, je preste et pendant un temps et puis on produit des rapports et ainsi de suite. Donc, en résumé, c'est tout ce que je peux donner pour moi, s'il n'y a pas d'autre. Merci, John. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Kevin, similaire, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu sur vous, votre organisation, votre quotidien. Yes. Merci. Merci, Marc. Bonjour. Bonjour, Marc. John, enchanté. Félix, moi aussi. Enchanté. Pour ma part, je suis actuellement responsable informatique au sein du groupe Vivendi pour la filiale de la RDC. Dans le passé, j'ai travaillé comme responsable de la sécurité informatique pour une société qui fournit des services au gouvernement. Et dans mon expérience de au moins 8 ans dans le secteur de l'IT, et je suis très récemment basculé dans le secteur de la sécurité pour la mise en place des solutions de sécurité en freelance. Et jusqu'ici, j'évolue dans les systèmes d'information et dans les environnements cloud, la mise en place de la suite bureautique, des réseaux d'entreprises ainsi que des LAN. Dans toutes les villes reliées à la filiale et le suivi de la mise en place de tous les outils pour le fonctionnement de l'entreprise au niveau des end-users. Et actuellement, j'ai fini aussi mon cursus avec mon groupe de formation en cybersécurité avec le nouvel institut de cybersécurité lancé ici en RDC qui accompagne plusieurs projets ainsi gouvernementaux dans la mise en place des solutions de sécurité informatique. Et c'est un peu ça pour ma part. Je suis content de faire partie de ces panels. Excellent, mais merci et bienvenue. Bienvenue à vous deux. Content de vous avoir. On va rentrer un petit peu dans les détails un petit peu plus techniques. So, vous allez dépasser mes compétences assez rapidement. Je pense que ça va être assez intéressant. Je commence avec une question très générale. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de skills au RDC, est-ce que au niveau de talent, peut-être de connaissances techniques. On va aller avec Kevin pour commencer. Alors, merci Marc. Déjà pour les skills, si on parle de l'année actuelle, je ne pense pas beaucoup parce que ça fait maintenant 2 ans et je pense que depuis le début de l'année, même au niveau du gouvernement, il y a des activités, des fortes sensibilisations dans ce sens-là qui ont été faites et des encouragements, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des institutions de cybersécurité dans lesquelles je suis actuellement qui ont été lancées. Et pas mal d'instituts dans ce sens-là ont été lancés au cours des années très récentes. En partant de l'année passée, une forte sensibilisation en termes de prise de conscience et de connaissances en termes de cybersécurité. Et ça rejoint directement plusieurs institutions aujourd'hui qui sont réglementées de façon à avoir des opérations de cybersécurité au sein des entreprises telles que le secteur bancaire, le secteur des télécoms. Et cela a bousculé un peu ce côté des compétences qui, la plupart des IT qui ont facilement migré avec déjà ces bagages côté
IT et la mise à niveau a été plutôt rapide depuis ces deux dernières années. Et jusqu'ici, les compétences, on peut dire que techniques sont moyens en termes de cybersécurité. Et je ne sais pas si ça peut être sujet aux prochaines questions. C'est plus la régulation qui, peut-être derrière, n'est pas encore consolidée. Comme on a ici en RDC un ministère très jeune dans le numérique et les PTNT qui s'alignent aussi dans ce sens-là avec la mise en place des codes numériques et pour pouvoir supporter derrière les institutions par rapport à différents contextes, pour pouvoir savoir comment mettre en pratique dans les normes et dans les standards internationaux toutes ces compétences acquises par la plupart des entreprises en sécurité particulière. Intéressant, merci Kevin. John, similaire, vous avez une opinion différente sur le manque de skills ou les skills sont adéquats? Non, ben merci beaucoup pour la parole. De mon côté, je vois ça autrement. Je me dis que tout dépend de l'angle sous lequel on regarde les choses. Mais moi, avec mon expérience, les temps que j'ai vécu, je me dis qu'il y a un manque des skills en cybersécurité, en sécurité de l'information. Si je dis qu'il y a manque des skills ou il y a manque d'expertise en cybersécurité ou en sécurité de l'information, ce n'est pas que je dénigre les quelques rares talents qui sont ici au pays, mais par rapport aux enjeux sécuritaires, aux enjeux de l'heure qui sont la digitalisation, la transformation numérique et autres, il y a un gap très, très, très significatif qui doit être comblé au niveau de l'expertise en cybersécurité ou en sécurité de l'information. D'abord, des deux côtés, du côté des employeurs, du côté des patrons, du côté des top management, ils ne sont pas aussi sensibilisés, ils ne sont pas aussi aujourd'hui, je dirais, prêts à accepter les risques où ils n'ont pas la connaissance, les awareness, comme on dit en anglais, du niveau des risques, et qui nécessite à ce que nous ayons un personnel capable d'éviter que les pires n'arrivent et que les systèmes soient suffisamment protégés. Aussi, au niveau même des techniciens aujourd'hui, il y a une confusion entre les gens qui se disent « je suis expert en cybersécurité, je suis expert en sécurité de l'information ». Ça aussi, c'est un élément. Donc, je me dis, pour moi, il y a un vide qui doit être comblé. Et ça, c'est des deux côtés, du côté des top management, même du côté du gouvernement. Et là, j'insiste, comme j'ai vu Kevin là-bas, je pense que tu feras passer le message et qu'il y a un gap qui doit être comblé et au niveau des acteurs de la cybersécurité. Intéressant. Donc, en résumé, c'est ça. Intéressant, John et Kevin. Écoute, je pense que l'idée de les personnes qui se disent experts, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est exclusif au RDC. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment global. C'est peut-être en partie parce que l'industrie, elle est encore jeune, peut-être. C'est peut-être ça. Mais j'ai aimé votre point, John, par rapport au l'angle et comment attaquer les différentes les points, comment sensibiliser l'awareness, comme vous avez dit. Est-ce que vous voyez une différence entre un projet gouvernemental et un projet dans le privé? So, peut-être, John, avec la question, on commence avec vous cette fois-là, puis on ira voir Kevin après. Bien, mais effectivement, les approches sont différentes entre la perception du gouvernement et la perception des corporates dans les privés. Bon, je commence d'abord par ce qui est positif au niveau des privés. Et il y a certains privés qui sont aujourd'hui très avancés. Je prendrais notamment les banques et les télécoms, et puis certaines organisations internationales. Comme elles sont des branches des entités internationales, elles sont soumises à des normes, à des règles, à des comportements qui
sont dictées par les groupes à l'international. Mais par contre, si je considère aussi d'autres privés ici, eh bien, je me dis, dans la majorité, il y a beaucoup laisse à désirer. Mais si je prends les télécoms, les banques et certaines organisations internationales, je me dis qu'ils ont un certain niveau très avancé de maturité, des wellness dans la sécurité. Mais par contre, au niveau du gouvernement, ça je l'ai dit, avec les organismes gouvernementaux, je me dis qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à refaire. Il n'y a pas à refaire, il y a beaucoup à faire parce que rien n'est encore fait à mon niveau. Moi, je suis plutôt de ces gens-là qui ne voient pas le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre doit être plein. Et soit il est plein, soit il est vide. Donc, pour moi, du côté gouvernement, il y a un chemin, un long chemin à faire pour arriver à remonter la pente et à atteindre la maturité de sécurité voulue. Oui. Et très bien. J'ai vu votre réaction, Kevin, quand John parlait de à faire ou à refaire. Est-ce que vous avez une opinion similaire? Est-ce que gouvernement privé, c'est similaire ou c'est quoi votre take, si je peux dire ça comme ça? Oui, déjà, oui, merci Marc et John. J'ai rejoint vite John dans l'aspect où il présente ça vraiment très concrètement avec le modèle de maturité qui s'applique à différentes entreprises ici. Déjà, dans mon cas, et comme l'a si bien dit John, ce sont des formes d'entreprises qui dépendent d'une politique d'un groupe assez mature en la matière qui, après, met en place des mesures de politique et même des réglementations qui s'appliquent d'abord au pays où se trouve la maison mère. Après, ici, on fait qu'on applique ces bonnes pratiques et ces standards qui nous mettent dans un niveau acceptable de sécurité en fonction même de la nature et du contexte dans lequel on se trouve. Par contre, en résumant encore, John, du point de vue de société ici en privé, le niveau de maturité laisse encore place à beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de sensibilisation et de progression. Suite certainement, comme l'a dit John, au niveau du régulateur local, du gouvernement et des autorités de régulation qui sont en place, qui ne sont pas encore matures en la matière avec des réglementations comme les RGPD pour l'Europe, vous voyez ici. Ce sont encore des choses à mettre en place pour donner la marche à suivre pour les sociétés qui sont ici en local. Cela laisse vraiment beaucoup de place à l'amélioration. Et cependant, cela commence à prendre vie, John, avec déjà, comme je l'ai dit ici, il y a le ministère du numérique qui est en train de mettre en place un code du numérique. Et c'est avec des acteurs comme ça, dans ces secteurs-là, qui sont vraiment demandés, comme avec vos niveaux d'expertise, John, pour accompagner ces institutions. Avec les enjeux qui sont en place et vos niveaux d'expérience, faire en sorte que ce code-là soit vraiment complet, couvre la majorité des contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Parce que le fait d'appliquer souvent dans notre cas des politiques et des stratégies de sécurité, des niveaux de sécurité, s'applique dans des pays qui n'ont même pas la même... Le même contexte politique que nous ici laisse quand même aussi beaucoup de difficultés même dans la mise en pratique de ces politiques et de ces standards parce que le contexte parfois reste vraiment différent à des niveaux où on ne peut pas vraiment aligner le business en RDC, business au Canada ou ouais. Autres. Ce sont vraiment ces contraintes-là qui laissent place à apporter amélioration, réglementation, à mettre d'abord en place pour les acteurs dans tous les secteurs ici en RDC et pouvoir ensuite demander à ces entreprises de travailler dans ce sens-là. C'est là vraiment un point que je trouve le plus important. Donc, je mets plus l'accent sur l'autorité des régulations.
Oui, merci. Merci, Kevin. Et j'aime bien aussi le commentaire de Isaac dans le chat. Puis moi, ça me fait penser à la culture de la sécurité. C'est quoi la culture de l'entreprise? C'est quoi la culture de l'organisation? Et c'est sûr que ça, tout dépendant de cette culture-là, ça va impacter ou changer la capacité du professionnel en sécurité et comment ils peuvent appliquer les standards, etc. Ça m'amène à la prochaine question. Qui sont ces professionnels-là de sécurité de l'information? C'est quoi? Comment vous les décrivez? Ils viennent de où? Est-ce que c'est des personnes qui viennent de l'international? C'est des personnes qui se disent, dès un jeune âge, je vais être professionnel en cybersécurité, en sécurité de l'information? So, John, on commence avec vous. Qui sont ces professionnels-là? Merci beaucoup pour la parole. Bon, aujourd'hui, les professionnels en RDC, en cybersécurité, je les répartis en deux groupes. Je me dis, il y a d'abord les managers, donc ceux qui sont censés gérer les jeunes. Et puis, il y a, bon, quand j'appelle jeunes, ne soyez pas, Kevin, ne soyez pas fâché, hein. Alors, donc, et puis il y a les jeunes qui viennent de rentrer dans les domaines qui doivent être encadrés. Si je prends du côté manager, je me dis qu'ils doivent avoir et aussi des compétences avérées, des compétences techniques, mais sanctionné par une certification professionnelle internationale, ce serait souhaitable. Au-delà de la certification internationale, les managers doivent aussi avoir l'aspect, je dirais, qu'est-ce que je dirais, leadership, pour arriver à ramener les jeunes, j'ai dit, à atteindre certains objectifs fixés. Parce que nous, aujourd'hui, je me dis, nous sommes en train de partir et la technologie évoluant très vite. Je me mets aussi à la place des managers. Là, je me dis, nous devons avoir des jeunes et des jeunes qui doivent être encadrés par nous, qui sont expérimentés et qui avons un certain niveau de leadership pour arriver à leur donner un chemin parce que c'est eux qui vont faire face aux challenges de demain. Aujourd'hui, parlant maintenant des jeunes, je voulais dire, pour les jeunes, nous souhaitons que ces jeunes-là soient aujourd'hui bien formés. Et si je ne suis pas trop rapide en besogne, ils peuvent être formés de différentes manières. Ils peuvent, en étant formés, arriver à avoir des ambitions, des leaderships de demain pour qu'ils soient à mesure de faire face aux challenges de demain. Et ces challenges-là, ils doivent commencer à les préparer aujourd'hui en commençant par des certifications, j'insiste encore, et parce que ce sont ces certifications-là qui vont sanctionner leurs compétences à la longue et aussi en exerçant la profession. Donc, ils doivent savoir réellement ce qu'ils veulent. Alors, aujourd'hui, c'est comme une confusion. Tout le monde se lève le matin, il se dit, OK, moi, je suis expert en cybersécurité, je suis expert en sécurité de l'information. Et puis, le soir, il se dit, moi, je suis le manager. OK, maintenant, on te met en face d'une réalité. Forme les jeunes qui est à tes côtés ou conduis un projet pour amener ces jeunes-là à un certain niveau. On n'arrive pas, donc on est rempli de trop de théoristes et qu'il faut qu'on essaye de rentrer dans le marché et d'essayer de faire bouger les choses dans le sens positif. Merci beaucoup. Merci, John. Et côté Kevin,
Selon toi, c'est qui le professionnel de sécurité de l'information aujourd'hui? Et en passant, jeune, il ne faut pas s'excuser pour jeune, hein, c'est un compliment. Alors, on peut dire ça, parce que c'est ça l'évolution, right? Ça change tellement vite, so on a besoin d'avoir ça pour changer. So, selon toi, Kevin, il nous reste quelques petites minutes, mais j'ai une dernière question après celle-là. So, selon toi, c'est qui le professionnel de la sécurité de l'information? Ok, merci Marc. Je vais très vite dans des aspects. Pour moi, le professionnel de la sécurité de l'information, d'un aspect institutionnel, c'est d'abord les cabinets d'audit et les cabinets d'experts en cybersécurité qui accompagnent, comme l'a si bien dit John, des projets, des mises en place de projets, des suivis, l'évolution des différentes mises en place des systèmes de sécurité de l'information pour une entreprise, pour une institution ou encore pour une organisation pour pouvoir conduire un projet dans les vraies normes de sécurité de l'information. Après, les cabinets, ce sont des institutions. Par ailleurs, il y a, comme l'a dit John, tous les jeunes qui viennent pour se mettre dans le rôle de cybersécurité. Et cela laisse place à beaucoup de formations, comme la Sylvain Dijon. Et ces formations-là doivent être faites dans des contextes concrets, appliquées dans des différents types d'entreprises avec des référentiels qui s'adaptent au mieux à la situation et au contexte du pays. Et par là, je salue vraiment vivement les organisations qui sont mises en place ici, celles que je participe déjà, l'Institut africain de cybersécurité, de cybersécurité et de sécurité des infrastructures que je suis. Là, je vois qu'il y a des programmes qui sont mis en place très mesurés avec des jeunes qui sont orientés d'abord dans le choix des carrières, dans les types de choix. Et il y a de ces jeunes qui sont déjà, qui partent de l'IT, qui étaient dans le droit parce que la cybersécurité est très vaste. Il y a plusieurs types de profils et tous ces jeunes-là sont orientés en fonction de leur profil, en fonction de leur talent pour être participants et être acteurs actifs dans ces grands chantiers qui est notre pays. Parce que, en suivant bien, comme l'a si bien dit John, en suivant l'évolution de ces jeunes, et ça fera de demain des experts en cybersécurité avec les bonnes bases, dans le bon contexte, avec les outils nécessaires pour pouvoir répondre aux questions précédentes, aux problématiques précédentes qu'on a soulevées. Donc, je pense que mettre l'accent sur la formation, et j'insiste, dans les contextes, serait vraiment bénéfique pour faire participer ces jeunes à vraiment remédier aux problèmes qu'on a actuellement et qu'on a vu dans le passé sur la compétence et la main-d'œuvre dans ces grands chantiers qui est la cybersécurité. Merci, merci Kevin. Sans le savoir, vous avez répondu une partie de la dernière question. Ça, c'est excellent. John, commentaire pour vous, retard technologique, on en a parlé, un commentaire dans le chat aussi, mais peut-être conseil ou votre point de vue sur comment chercher les skills? Vous avez parlé de leadership, de management, etc. Mais est-ce que c'est via les formations? Est-ce que c'est via les certifications? Comment pouvons-nous aller chercher ces connaissances-là pour vraiment avancer la profession de la personne à cybersécurité? Merci beaucoup. Pour les skills, les compétences, on a deux façons d'acquérir ça. Selon les moyens et la taille de l'entreprise. Et pour une entreprise qui n'a pas des moyens suffisants, moi, je peux recommander la formation sur l'État. Mais d'abord, c'est-à-dire la formation sur l'État veut dire la formation on the job process, on the job learning. Mm-hmm. Voilà. Donc, je peux proposer pour une telle entreprise d'investir en formant la personne sur l'État, mais cela demanderait aussi que le manager qui suit les jeunes soit lui également compétent à mesure de donner l'opportunité à la jeunesse de monter. Bon, et aussi, après la formation sur l'État, je peux me dire pour une telle personne, s'il a lui-même des ambitions, il peut chercher à se certifier. Donc, il ne doit pas se dire expert sans avoir une sanction de certification.
D'un autre côté, dans des entreprises qui ont suffisamment de moyens, il faudrait un leadership qui est au courant du besoin en formation, en sécurité de l'information ou cybersécurité. Et de là, avec un planning, un calendrier bien précis, on peut commencer d'abord par identifier voilà, les talents. Et s'il n'y a pas de talent, on peut chercher à développer les talents en sécurité de l'information dans les utilisateurs. Et sur le temps, quand ils apprennent aussi sur l'État, ils suivent également des cours pour se préparer aux certifications internationales. L'État nous fait vraiment défaut. Je laisse aussi le passage peut-être à Kevin, je ne sais pas, pour qu'il mette son commentaire. Sinon, je serai égoïste. Kevin, commentaire de conclusion sur les formations, peut-être votre expérience, etc. En tout cas, je vais, comme l'a dit, juste commenter sur ce qu'a dit John. Pour ma part, je pense que cela laisse place à l'accompagnement et un suivi régulier. La mise en place d'un programme adapté à chaque niveau et à chaque type d'institution. Cela répondra à la fois à un problème à la problématique de mise en compétence et aussi de remédier aussi aux besoins actuels, faire d'une pierre deux coups. Après, je répondrai aussi pour les cas de montée en compétence. C'est d'abord une affaire de motivation, de savoir d'abord d'information et une sensibilisation dans ce sens-là, savoir d'abord quelles sont les opportunités qui s'offrent dans les secteurs. Est un bon moyen de pouvoir pousser les autres à opter pour le métier et aussi après monter en compétences, je l'ai dit déjà pour ma part, dans tous les secteurs en ce moment, surtout au secteur des informations, c'est vraiment accessible à tous. Et après, il faut vraiment le faire en suivant un programme rigoureux et adapté. Donc, la connaissance est à portée de tous en ce moment. Et après, comme l'a dit John, les sanctionnés avec les certifications internationales nous aident à pouvoir répondre maintenant aux problématiques des standards internationaux et pouvoir appliquer ça dans les règles de l'art. Après, la connaissance et la formation est vraiment accessible à tous. Oui, non, effectivement, et c'est ça le lien, ultimement. Pelham, I think that brings us to the top of the hour, and je tenais à remercier John et Kevin pour votre contribution. Merci d'être là sur le panel aujourd'hui. J'ai bien apprécié les commentaires sur le talent, la culture, l'awareness, la certification, évidemment, la professionnalisation de la fonction de la sécurité de l'information. Pelham, over to you. Fantastic. Well, thanks ever so much. Let's give John and Kevin and, of course, Mark a big virtual round of applause. It's been a great session. And I do hope to welcome you all to our other international events as well. It's wonderful to shine a spotlight on the DRC, RDC. It's fantastic that Mark has been able to moderate us through this past hour. I'll put you back in the audience and I'm going to switch to English for our next short session. Thanks very much. Merci beaucoup pour votre aide. Merci à vous. See you soon. Fantastic. And I have added some links in the chat, of course, to our YouTube channel and our Twitter handle. So we'd love for you to join us there. Now, I said I'm going to switch to English. So this is indeed a fantastic opportunity to invite our next panelist up. We're delighted to welcome Tatenda Walter Mokanyuma, Cyber Defense Manager at Vodacom Congo, to the stage. And it's wonderful for me to reflect on this because, of course, now I can talk a little bit of English, and it's wonderful to be engaged in this MSS World Tour. Many of you will have seen that we have, in fact, been to a number of places, and it's wonderful to be here. Tatenda, welcome. It's a pleasure to have you on. How are you doing? I'm great. How are you? I'm doing well. I'm enjoying this cross-pollination. I'm enjoying seeing similarities and as well as differences. Could you tell us a bit about your background? Okay. So I'm currently doing cyber defense at Vodacom in the DRC. Prior to that, I was at MTN doing cyber defense as well in South Africa. So my experience spans across financial sector, telecoms,
manage security services for information security architects and other companies. Oh, perfect. Now, that's wonderful, because with our MSS series, we have some events that last an entire day and more in UK, Netherlands, Germany, the States. But what we're trying to see here is whether or not there's an appetite to progress the managed security service debate. So it's good to hear that you're there. What is the managed security service landscape like in the DRC? Well, I think it's good land, because basically you have companies that do not have a security division. They most probably have one or two people, a network person, whom they say is their security person, because they are still on that shift that we are still doing network security. When security has moved so much further along, we've moved from, we still have network security, but we're now looking at data security. We're looking at manipulating data science so that you can use that for security. You are looking at DevSecOps, which is something that I do not believe is yet in the country. And you have really, really big organizations that are like banks, like Royal Bank. You have even our competitors. They do not have large cybersecurity divisions. When you collaborate or try to integrate, you realize that, oh, okay, we are dealing with the same person for networks as for security, and there isn't really that much of a specialization. So once you get to that realization, you'll see that this market is open for business, so to say. If you can sell the product, show the value, then you most probably get a lot of takers. I like that. And do you think that, you know, this is a technology that allows countries like the RDC to have a quantum leap in that already? I mean, I have had people join the call today who have moved to the States, but some people are working for companies all over the place, but from Kinshasa. Do you think this technology allows the local talent to really have a quantum leap in access to the global job market? Yes, I do. Because basically, when you look at it this way, technology is all about exposure. So a lot of people seem like they're more intelligent than others because they know a lot of things, but it's just because they were exposed to the technology prior. So you can teach people technology. So if you give technology to people from an underprivileged background, or if you were to say a third world country, then they can equal what is available in the States. And the countries like the States, the UK, or the other European countries, they are looking for labor that comes at a cheaper price, which you can get in Africa, because I think the biggest issue in Africa is that our education cost is basically very high. So if we can get everything accessible and we can learn all of these technologies, then we can offer services across the world. I'll give you an example. Look at South Africa. South Africa is used as a hub by most of these first world countries. You have all your penetration testers. The majority of your QSAs for PCI DSS, they are coming from South African registered companies all over the world. So it's just an issue that South Africa is exposed to the right technologies. So it has catapulted people to the global village landscape. If you give the same technologies to the guys in the DRC, they are more than intelligent to pick up on what's happening and then apply it elsewhere. Oh, that's fantastic. And I love that force multiplier. And of course, there are a range of certificates. And I know we've, on our previous panel, or at least I assume we do, because I'm not a French speaker, I assume we were talking certificates on the previous panel. And one of the problems is I can create a certificate today. It's called the Pelham certificate. And maybe we need to see some more standardization. I don't know, you know, because there are some awarding bodies that people favor today and not tomorrow. But all in all, they can get costly. So perhaps there needs to be a tapering. What sort of certifications do you see that are in demand in the DRC today? Types of certificates and so on. So basically, people primarily focus on technical skills.
So stuff that can be applied, because this is basically what most companies are looking for. So they're looking for someone who's going to come and say, I've got CCNP security and be able to do the operational work. So because there isn't that much space for the CISO on the senior management, is not really there. So you'll find that qualifications like CISO are not yet as big as when you go in with a technical certification. But obviously, if you are looking to grow yourself into something good management position, you would need a CIS by CISO, which is something that you know is acknowledged world over. People have been gravitating back to CEH, literally, because at first people used to think that it was just a cheat sheet. Just the theory, and then you get the mark. But then now, because it's a practical, it has actually improved the pool. So nice. No, that's a good steer, especially for newer entrants to the market, people who are building their careers. So sometimes I like to combine managed service providers with managed security service providers during these events, because sometimes managed service providers are using managed security service providers to provide security. Is that happening in the DRC? Are there many managed service providers that are pure play IT providers? From my perspective, I do not really have a view of that, but I do see that most companies consume services from overseas. So not that many players playing locally, but yeah, people are looking at countries like South Africa, the US, to get such services. I like that. So then from your perspective, what's next for the managed security service in the DRC? What are you going to bundle? Is XDR going to be popular? EDR, CDR, ZDR? There's lots of things that one can bundle. What's next? The next. That's always the big question, because there's so many buzzwords and it just the catches what the people with the power over the budgets thinking. So I really just think that basically a simple product will do it for this market. So if you can just come up with, because most companies are trying to move to the cloud, if you can come up with your solution that offers cloud services, that offers storage, backup, resiliency, and you couple the security into there. So you'll find that your checkpoints, your FortiGates, all of these guys have moved security to the cloud. So if you can just bring a combined utility where you say, guys, I'll give you a platform that is secure, that gives you everything that you get in your data center, I do believe that's the next way to go, because everyone's just trying to streamline their activities, consume what they can, and not have to overinvest. Fantastic. Well, that's a great sentiment and maybe a great way to move forward. And I don't know, you know, we have run this sort of roadshow, so to speak, in a few different places. We were in Angola speaking Portuguese. I wasn't doing it. We were in Kenya. We will, of course, eventually come to South Africa. But what have you taken away from today? I know you're not a big French speaker, but what have you taken away some of the flavors of today's discussions? So it's apparent that there is a market for managed security services. You see, you had your Glencoe, you had everyone here from all these big either government departments or from all these big multinationals. But then the concept is, how do you just propagate that to the rest of the market? So right now it's obvious that it's being consumed by people with money. So it most probably implies that it's currently costly, and it's only appealing to the people who've got the propensity to afford it. So the next step going forward is, how do you reduce the cost? How do you make it appealing to everyone, so that even your SME or your SOHO can be looking at it as something that is viable? Because the same risks that apply to the enterprise do apply to the small businesses.
No, that's a great sentiment. And hopefully, yes, we will find more affordable SME based products. At least over here, we've found that some MSS will offer a special reduced thing for an MSP or an SME. So maybe we will find something like that, because 24/7 SOC might not be what everyone is looking for. But I like that. What's next for you? What are you next going to be working on? So we are currently doing cybersecurity in-house for Vodacom DRC, but then obviously you do understand that Vodacom is a company that offers enterprise solutions and commercial solutions for the regular customer. So we'll most probably end up monetizing our own cybersecurity, because it's the only way we can go. Because we'll get to a point where we are self-sufficient, and then we'll start extending, because we're an ISP, we can just extend the services to anyone who's on our network, because it won't really be an additional workload. We already have the access, and we already have the intelligence plugged in to be able to offer that as a value-added service, whether we charge for it or we just make our users aware that you are getting this as an extra. It also goes a long way for goodwill. Lovely. And goodwill is the name of the project that we're trying to run here. We're trying to make new friends in very interesting places. But thanks for staying throughout the whole event. It's lovely to catch you at the end. And it's lovely that I get a chance to also have a chat on the MSS RDC. Thanks very much for your time. Let's give you a big virtual round of applause. And I look forward to seeing you at another event. Thank you very much. Have an awesome day. See you soon. Bye. Thank you. So that's fantastic. Thank you to everyone staying right until the end. This concludes the Managed Security Services Forum, RDC, DRC. It's lovely to see so many fantastic people here.